L'Allemagne et le Brésil ont déposé à l'ONU un projet de résolution sur les libertés individuelles suite aux révélations sur le programme d'espionnage américain. Le texte a été soumis à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée générale et ne mentionne aucun pays en particulier, mais il vise clairement les États-Unis. Il prône la mise en place de mécanismes de supervision pour garantir la transparence de l'État au niveau de la surveillance des communications. Pour obtenir le consensus, la proposition devra nécessairement être flexible quant aux limites de l'espionnage. Il est indéniable que le poids de l'Allemagne va pouvoir apporter une plus grande légitimité à la résolution pour qu'elle soit approuvée. L'Allemagne, comme le Brésil, ont vivement réagi aux dernières révélations d'Edward Snowden. L'espionnage américain concernerait la chancelière allemande Angela Merkel et la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Nouveau rebondissement dans un autre pan de l'affaire Snowden concernant l'arrestation en août du compagnon du journaliste Glenn Greenwald à l'origine de la diffusion des documents secrets. Les autorités britanniques viennent d'affirmer qu'en transportant ces documents, David Miranda s'est adonné à une activité terroriste.